Elle se sentait muselée au gouvernement, mais depuis cinq mois, Cécile Duflot est libre, et ça se voit. Dans son livre à paraître, l'ancienne ministre de l'écologie use et abuse son célèbre franc-parler. Personne n'échappe à ses tacles, pas même le président. J'ai fait le même chemin que des millions de Français, j'ai voté Hollande, cru en lui, et été déçu. J'ai essayé de l'aider à tenir ses promesses, de l'inciter à changer la vie des gens et de le pousser à mener une autre vraie politique de gauche, et j'ai échoué, alors je suis parti. Cécile Duflot n'hésite pas non plus à remuer le couteau dans la plaie de l'un des plus gros scandales politiques, l'affaire Cahuzac. Des ministres, des députés me confient qu'ils savaient depuis longtemps, je n'en reviens pas. S'ils étaient au courant, pourquoi l'ont-ils laissé nommer ministre du Budget Cette affaire montre aussi l'aveuglement et l'hypocrisie qui peuvent régner. Et sans surprise, plusieurs passages sont consacrés à Manuel Valls. Leurs mauvaises relations sont notoires et l'ancienne ministre n'hésite pas à le comparer à un homme de droite. Je ne connais pas assez Manuel Valls et Nicolas Sarkozy pour savoir s'ils se ressemblent, mais je sais que celui qui fut le premier ministre de l'Intérieur de François Hollande utilise des recettes similaires. Il déploie les mêmes techniques saturation de l'espace médiatique, transgression. L'ouvrage paraîtra dans son intégralité le 25 août, un pavé dans la mare qui risque bien de pimenter la rentrée littéraire.